Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le stuff de mon Xelor Oro PVP Coliseum 3v3. C'est un stuff qui a été pensé pour être joué dans une composition en Xelor Oro et Eka Feu et sacrieur Air ou Terre. Avant qu'on regarde en détail ce en quoi ça consiste, je peux vous préciser que j'ai jamais autant galéré sur une conception de stuff. Vraiment les sessions de théorie craft m'ont demandé plusieurs dizaines d'heures à étudier toutes les options, à changer sans cesse d'avis. J'avais un cahier des charges qui était très étoffé, je voulais notamment beaucoup de dégâts dans la voie haut, beaucoup de retrait PA, beaucoup de fuites, avec 6 PO, une grosse initiative et des résistances très solides. Donc il y avait beaucoup de choses à faire rentrer dans le stuff, et euh, les choix étaient énormes, il y avait vraiment beaucoup de, beaucoup de variantes possibles. Et j'ai notamment beaucoup hésité entre des modes en 12 PA avec un Volcorn, ou des modes en 11 PA en casque dragueuf, plus items à contrainte d'équipement de type Cap Matlacé, ou éventuellement gastrique. J'ai finalement opté pour ce que je vais vous présenter ici, mais voilà, il faut que je garde à l'esprit que c'est encore assez susceptible d'évoluer. Que de tous mes modes PVP, c'est celui sur lequel j'ai encore le plus d'incertitude sur l'évolution à l'avenir. On commence, allez, c'est parti. Donc on a une panoplie de Bethel complète qui nous fait du retrait PA, un PO, un PA. Donc c'est vraiment ce qu'on veut du point de vue utilitaire avec un peu de retrait. Euh, pour ça, on a une, un masque de Funespadon en résistance distance. J'ai une chevelure de Talcacha en résistance distance également, euh, qui n'est pas associée à un bonus de panoplie Talcacha, mais très intéressante pour les résistances notamment. Ensuite, on a la culotte de Bethel en résistance distance. Les chaussons de Macrabe en over vitalité, résistance distance. Je précise qu'à chaque fois, les deux neutres ne me servent absolument pas, puisque sur un Xelor, je n'ai aucun sort qui tape neutre. J'ai ensuite une amulette émentaire de luxe. Je ne pensais pas forcément jouer ça un jour dans un mode PVP 200, mais. Euh les différentes voies élémentaires me servent bien pour l'initiative et les résistances sont très intéressantes pour un mode solide. On a un anorthographe euh, en exo-PA. Alors là, pareil, le choix pourrait être un petit peu étonnant pour du Xelor au retrait PA, surtout qu'il n'y a pas de sagesse sur l'item, mais j'avais absolument besoin de résistance haut et de fuite. Euh, donc bah, j'ai choisi cet item qui rentre finalement plutôt bien dans le mode. Et également, euh, l'intelligence me sert à remplir la contrainte d'équipement de l'amulette élémentaire. Ensuite, on a l'Alliance Gourson en PM pour résistance R, un sceptre du Roi Joueur en résistance distance, un Bouclier 7 ans de malheur trans vitalité, un Volcorn Amé améthyste et ivoire, qui nous fait des résistances R et du retrait PA, et avec ça, on a un Dofus ocre, un Defus vulbis, un Dofus abyssal, un Defus ivoire, un Defus tacheté, et un Dofus ébène, qui est très utile surtout pour la fuite, mais dont euh, le... le la capacité offensive va nous servir également. En termes de caractéristiques, euh, j'ai mis 600 points dans la chance pour monter à 300 chances. J'ai complémenté l'agilité à 10, évidemment. Et euh, on a pas mal de vitalité également. Je pourrais éventuellement monter la sagesse à 340 pour gagner un de retrait, un d'esquive. Ça, c'est pas impossible que je le fasse. C'est encore un petit peu en réflexion. Je pourrais également euh, mettre 100 de chance en moins pour gagner de la vitalité. Parce que là, je suis à 4200, c'est un peu léger. Mais encore une fois, je joue avec un Sacrilleur euh, qui a beaucoup beaucoup de points de vie dans ma composition et qui peut sacrifier efficacement. Donc euh, voilà, tous ces choix peuvent encore être amenés un petit peu à évoluer. Euh, ce qui nous donne, si on regarde un petit peu plus précisément, 12 PA, 6 PM, 6 PO. Alors ça, vraiment, j'y tenais pour le Xelor. Euh, notamment parce que je le joue avec la, le sort pétrification, qui est un sort qui coûte très cher en PA au premier lancé, mais qui ensuite est de moins en moins coûteux en PA plus on le lance. Et le fait d'avoir un maximum de PA permet de plus facilement mettre en route le sort et de l'avoir à un coup de PA faible, qui permet d'avoir un gros impact en PVP 3v3. Et euh, la portée, bah quasiment tous les sorts hauts sont en APO modifiable, et euh, je m'en sers vraiment énormément, je le sens très très fort en Coliseum la différence entre un mode en 6PO ou un mode en 3 ou 4PO comme j'ai pu en jouer par le passé. On a malgré tout 919 de chance, ce qui est tout à fait intéressant pour mettre des, des bons petits dégâts sur les sorts qui mettent du retrait en plus. La fragilité, là c'est des faibles esquives en PAPM, euh, qui sont assez pénibles, mais d'un autre côté... Comme j'ai un qui, euh, pardon, un écaflip feu euh, assez offensif avec moi, le retrait PA va rarement être concentré sur le Xelor. Et euh, les esquives PM bon, sont un peu pénibles, mais encore une fois, on a un Xelor, donc on a beaucoup d'outils de mobilité, même si on se fait râle. Bon, le stuff, il y a tellement de choses sur lesquelles il doit être euh, solide que je ne peux pas avoir toutes les kerak qui sont satisfaisantes partout, donc j'étais obligé de faire des concessions. Euh, je verrai peut-être si je ne peux pas sacrifier euh, un tout petit peu de res air. Pour mettre un familier de type chien chintigré ou tanuque, éventuellement pour gagner des esquives si j'ai besoin sur des match ups spécifiques. Ensuite, on arrive sur la fuite. Euh, bon, 109 de fuite, c'est vraiment pas mal. Voilà, je voulais à tout prix avoir plus que 100 de fuite et euh, bah, ça me permet d'aller les chercher ici. Euh, voilà, j'aimerais bien en avoir un peu plus idéalement, mais j'ai vraiment pas vraiment de place sur le, le stuff où je pourrais en gagner. Ensuite, on a de l'initiative à 2267. Alors, ça, c'est vraiment chouette. J'ai besoin que le Xelor joue en premier. Hein, c'est un placeur. Euh, euh, dans, la, dans, dans quasiment toutes mes compo PVP, je préfère que le Xel soit le premier à jouer. Bon, on a cinq invocations. Ça, c'est évidemment euh, l'amulette de luxe hein, qui fait la différence. C'est presque trop, mais bon, pourquoi pas, ça sert toujours. Au niveau des résistances, on a quelque chose de très équilibré, à 32% neutre, 39% terre, 39% feu, 39% eau et 36% air, euh, auquel on vient coupler 30 récris, 25 répous, 5% de résistance distance, ça ce sont les différentes runes de transcendance que vous avez vues et 14% de résistance mêlée, ça c'est le bouclier. Voilà, c'est pour ça, hein, c'est parce que j'ai des grosses résistances mêlées que j'ai mis des transcendances, résistances, distance pour équilibrer. Sachant que de mon expérience, le Xelor est celui qui se fait le plus souvent focus, et souvent le, la première classe à mourir dans PvP 3v3, en tout cas dans les compositions que je joue, c'est pourquoi j'ai choisi de, voilà, de bien le blinder et de mettre des runes de transcendance plutôt défensives qu'offensives. Et euh, voilà vraiment, je trouve que les restes sont très intéressantes. Ça, c'est aussi grâce à la deluxe. Euh, malgré un mode où sur le plan utilitaire, on est quand même vraiment attaqué sur tout le reste et on a quand même des bons dégâts. Vous allez le voir par la suite. Euh, Au-delà de ça, ce que je peux vous montrer, c'est le 103 à retrait PA, qui n'est pas énorme. J'ai hésité hein, quand j'étais dans mes théories craft. Euh, J'ai expérimenté des modes en 11 PA euh, où j'avais 170 de retrait PA et 160 de fuite par exemple. Mais euh, voilà, j'ai choisi quelque chose d'un petit peu plus léger, mais plus équilibré sur le reste. Sachant que mon but n'est pas du tout de le jouer dans une optique full retrait, hein, c'est plutôt juste de pouvoir mettre du retrait sur des classes qui auraient négligé du retrait, des esquives PA. Notamment des classes qui jouent en crocobure, je veux pouvoir sanctionner la présence de crocobure en face, ou alors des gros roxers qui ont des mods à 30, 35, 40 esquives PA. Mais je veux pas non plus un gameplay full axé sur le retrait PA. Voilà, c'est juste un outil. Euh, qui vient compléter le gameplay mais c'est pas mon élément central de gameplay je m'en sers quand même plus pour taper que pour mettre du retrait concrètement euh, qu'est ce que je peux vous montrer de plus je crois qu'on a fait le tour des caractéristiques intéressantes on va maintenant regarder euh, les variantes en termes de variantes voilà je vous montre un petit peu à l'écran celles que j'ai euh... ce qui est intéressant c'est surtout de voir celles que je peux adapter selon les match ups la principale variante que je, je modifie parfois, c'est rollback avec instabilité temporelle. Ça, c'est quand j'ai en face du fake attacle. Euh, vous savez, les fakes avec le glyphe gravitationnel, dans tous les sens, où on ne peut plus jouer. Euh, bon, j'ai une bonne suite, mais malgré tout, euh, je, peux en, je peux quand même apprécier de pouvoir me détacler facilement en instabilité temporelle pour pouvoir sortir d'un glyphe gravitationnel. Et, euh, et c'est pas mal comme ça. Voilà, j'ai globalement peu de variantes que je modifie sur le reste. Euh, je me pose la question entre 25ème heure et synchro, évidemment, la synchro qui est intéressante pour mettre des grosses pressions et des gros coups de burst, mais je trouve la 25ème heure tellement pratique pour replacer un cadran qui s'est fait burst ou pour, euh, pour mettre un debuff sur une entité indéplaçable sur laquelle on ne peut pas générer de téléfrag par exemple. Il y a plein d'options bon, possibles, mais euh, j'aime beaucoup la 25ème heure pour le côté utilitaire en PvP. Et également, je joue à la désynchronisation parce que mon il est plus là pour faire un, un travail de placement. Mais avec le mode que j'ai, notamment avec l'amulette aimantaire de luxe, euh, qui me fait les 4 éléments et un peu beaucoup d'items, hein, un orthographe, euh, Glourson, la panoplie hauteur euh, ici, j'ai beaucoup de, de stats en fait dans des caracs secondaires, hein, comme vous le voyez, euh, que ce soit en caractéristiques ou en dommages, Et ça pourrait être tout à fait intéressant d'utiliser le glas pour mettre des, des grosses claques en zone, en multi-éléments. Euh, voilà, j'ai un mode qui me permet de quand même plutôt bien exploiter ce, ce sort, donc à voir aussi si je choisis de l'utiliser un petit peu par la suite. On va passer sur un putsch pour observer ça sur le terrain. Nous y voilà. Alors, c'est parti. Le petit téléfrag. Comme je vous le disais, mon sort principal de dégâts plus retrait, c'est la pétrification, dont le coût en PA se réduit au fil du temps quand on le lance sur des, des cibles en téléfrag. Il est euh, assez intéressant du point de vue offensif, on est entre 500 et 700. On a également un bon taux de coup critique à 43%, qui nous permet d'utiliser les deux crit notamment de la cape de Talcacha et du sceptre du roi joueur. Donc là, vous voyez que sur le plan offensif, c'est déjà pas mal du tout. quoi. Les ralentissements avec une bonne portée, comme vous le voyez, mettent aussi euh, des bons petits dégâts, de 250 à 360, avec un taux de crit, bon, ici qui est beaucoup plus faible. Le, la pétriffe a des gros taux de crit de base, hein, c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre un petit peu de crit dans le stuff. Évidemment, les horloges sympas qui sont entre 500 et 700. Hop. On peut également noter euh, les rouages, qui un sort purement offensif qui fait gagner des PA au tour suivant qui sont pas mal, qui monte à voilà, de 300 et quelques à à peu près 450. Hop, ce qui est également très intéressant sur le mode, c'est notamment les gélures. Voilà, très... je m'en sers souvent avec la. en stack cac en fait pour les ben. Que ce soit pour me détacler, pour générer un téléphrac en échangeant avec quelqu'un encore à corps. Ce qui permet de prendre un stack ébène mêlé, et après bah, vous voyez que j'ai plus qu'à tabasser à distance, je place facilement un ébène distance. Et là mon ébène, vous voyez qu'il met du, voilà, du 282 ici, bon il y a une petite variance, mais on est autour de 270 à 300 à peu près, et c'est vraiment, bah, c'est peu coûteux dans mon gameplay, puisque je fais beaucoup de sortes de placements que je peux t'amener à lancer au cac, et euh bah ça met, euh, ça met une petite pression en plus et c'est très peu contraignant puisque comme j'ai beaucoup de fuites, bah je peux facilement alterner entre des placements mêlés et des placements euh, cac avec les adversaires. Voilà, là vous voyez les pétrifs, euh, à 2 PA, hein. une fois qu'on est à 2 PA, multi cible on fait un massacre. Donc le mode, le mode est vraiment, euh, vraiment très chouette. Ce que je peux montrer également, c'est pourquoi pas le petit cac. Bon du coup on a un, on a un malus de dégâts de mêlée euh, avec le bouclier, donc c'est pas très intéressant de taper au cac, mais si on a par exemple deux cibles à taper... Ça peut être intéressant, voilà, en plus avec les deux crits, vous voyez le, le taux de crit qui est pas mal du tout à 33%. Bon, Encore une fois, on n'est pas là pour taper, hein, mais euh, on prend tous les dégâts qu'on peut placer. Quoi. Donc là c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Et pour terminer, on peut noter le glas. Du coup, donc là je l'ai pris pour, vous, pour le test putch. Encore une fois, je m'en sers pas beaucoup, mais je me pose la question de peut-être l'intérêt. Donc ça c'est un sort dont les dégâts se stack avec les téléfract les télé générés. Et pour 3 PA en zone, vous voyez qu'ici je lâche un petit 900. Avec, euh, voilà, vous voyez des dégâts hauts évidemment qui sont euh, les plus offensifs, mais chaque petite voix qui met sa petite claque, et euh, bah, par exemple pour clear des invocations, ou ce genre de choses, euh, euh, des bons petits dégâts en zone peuvent être vraiment intéressants. Voilà, je, je, je préfère quand même jouer avec la désynchronisation pour l'aspect placement, notamment pour les, les, le placement tour 1 avec désynchronisation caouette qui peut permettre de, de choper quelqu'un qui se pensait protégé, mais euh, quand je vois les lignes de dégâts qui sortent, j'avoue que j'ai très envie de lâcher des petits moins euh, 900 en zone pour 3 PA. Ça donne quand même plutôt envie. Voilà les amis pour ce petit putsch qui n'aura pas fait long feu. Donc vous voyez, là évidemment on ne peut pas voir le retrait sur un putsch, mais une capacité offensive plutôt correcte avec 12 PA, 6 PM, 6 PO, du retrait et euh, pas mal de fuites et pas mal d'utilitaires dans tous les sens qui font que mon Xelor me plaît beaucoup comme ça. Voilà évidemment peut-être que ce stuff va être amené à changer, mais pour l'instant je prends beaucoup de plaisir à le jouer en PvP. Voilà, c'est la fin de cette vidéo présentation de stuff. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.